Bonsoir messieurs, dames, comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, je vais commencer une série de plusieurs tutos, plusieurs vidéos d'explications sur plein de choses qu'il y a dans Escape from Tarkov. Et bien pour bien commencer, on va faire les bases des bases vraiment pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, qui viennent d'acheter le jeu et qui sont un peu perdus parce que c'est vrai qu'à première vue, il y a énormément de choses à expliquer. Très grosse quantité, c'est pas compliqué, mais vraiment trop d'informations à faire. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo en entière si vous souhaitez en apprendre plus sur les bases du jeu dans cette première partie. Donc, déjà, pour ceux qui souhaitent acheter le jeu, qui savent pas réellement, Escape from Tarkov, en fait, c'est Battlestate Games qui fait le jeu. Ils ont leur propre launcher. Donc, vous ne le trouverez pas sur Steam ou sur autre launcher actuellement. Donc, vous devez vous joindre, vous mettre sur escapefromtarkov.com. Donc vous trouverez le lien du site dans la vidéo. Et donc c'est pas une vidéo du tout sponsorisée, hein, c'est vraiment pour un contenu pur et simple que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer sur Escape mais qui sont saoulés en fait rapidement. Donc, alors vous arrivez sur Escape from Tarkov, vous allez cliquer sur Pre-order Escape from Tarkov, Beta is have alive, donc c'est-à-dire que la bêta est disponible. Ensuite, vous allez tomber sur plusieurs versions, éditions du jeu. Standard, Left Behind, Prepare for Escape ou la EOD, donc la plus grosse version en fait, Edge of Darkness. Donc vous allez vous dire qu'est-ce qu'il y a quoi comme différence en fait dans ces packs. Donc clairement pour l'instant, vous avez, avec la grosse version et la plus petite version, juste un inventaire plus grand en fait. Que vous allez voir plus tard qu'il y a un système d'inventaire et dans le futur les DLC gratuits. Donc moi ce que je vous conseille, si vous êtes un peu sceptique, c'est de commencer par la version standard. Donc moi j'ai déjà la version, donc je peux pas la racheter mais en gift. Donc là vous allez cliquer sur Europe, donc Europe can be launched. Donc là tu peux le lancer partout en Europe le jeu et une copie. Si tu veux le faire offrir à plusieurs amis, tu cliques sur le nombre de versions que tu veux, 2, 3, 4, et tu peux répéter l'action autant que tu veux, c'est toi qui décides. Donc là, le prix que vous voyez, c'est hors taxe. Hein. Donc, il y a 10 euros de plus qui s'ajoutent sur la note, donc à peu près la version coûte 45 euros. Ça arrive deux ou trois fois dans l'année qu'ils font des promotions, même un peu plus, des 15%, 25%. Donc voilà, donc il y a des versions des fois vous pouvez avoir à 25 euros. C'est à vous de voir, d'attendre si vous êtes patient. Donc voilà. Donc pour après, vous faites, donc bien sûr, vous confirmez tout ça, vous achetez la. Vous allez passer au paiement, vous choisissez votre mode de paiement, vous payez, vous allez recevoir un email avec une clé, tout ça, vous téléchargez le launcher. Hein, le launcher, c'est simple, hein, je ne sais plus comment on fait, mais tout sera indiqué en fait. Vous aurez un bouton download sur l'email que vous allez recevoir. Et voilà, ça se fait tout simplement. Bien sûr, vous devez vous créer un compte avec un email, un mot de passe. Et après, c'est très simple. Mais si jamais vous avez vraiment des difficultés, on ne sait jamais, hein, vous n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire sur la vidéo et moi je vous expliquerai encore plus explicitement. Ça me dérange pas, ça fait plaisir. Donc après, une fois que vous avez télécharger, donc il y aura marqué play, tech, vous cliquez sur launch, en fait ça va lancer le jeu, et ça c'est le menu principal du jeu. Donc je vais essayer de vous décrire à peu près détail par détail, très explicitement, les premières choses à savoir sur le jeu. Concernant tous les objets, tout ça sera plus tard, ça sera vraiment plein d'autres vidéos qui vont venir dans les jours à venir. Jours, semaines à venir, donc n'hésitez pas, attendez, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par le menu options. Donc, pour les optimisations de. Si vous voulez, faire un petit arrêt sur image, si vous voulez faire un peu comme moi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est en bêta, donc il n'est pas 100% optimisé, il y a beaucoup de lag, ils ont beaucoup de lacunes sur ce genre de vidéo. Sinon, j'ai fait une vidéo sur les optimisations de la version 0.11.7 parce qu'actuellement vous voyez la vidéo, le jeu est en version 11.7, 0.11.7. Donc voilà, donc là vous avez un menu simple. Pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, il y a la version française qui existe depuis quelques semaines, mois. Donc n'hésitez pas
à mettre en français. Moi, je préfère en anglais. Donc voilà, vous avez donc aussi le son, hein. Moi, j'ai laissé comme ça. Et bien sûr, vous pouvez changer les touches de votre clavier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est très, 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 très détaillé. Du coup, ensuite, donc là, on a fait les options. Donc là, vous avez Messenger. Messenger, c'est là, en fait, où vous pouvez ajouter des amis. Vous voyez, ça, c'est le nombre d'amis que j'ai. Ça, c'est les demandes que j'ai. Vous pouvez discuter avec eux en jeu, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, là, c'est le chat. En fait, vous allez dans le jeu, vous avez plusieurs vendeurs. Et en fait, ces vendeurs-là vont vous envoyer des messages. Par exemple, en fin de quête, ils vont vous donner une récompense. C'est ici que vous allez récupérer. Ou alors, on verra plus tard, mais il y a des assurances en fait que d'armes. Donc, si vous mourrez en jeu, ça, vous avez des assurances. Enfin, on verra ça plus tard. Et ça, pareil, tout en fait, et tous les messages des vendeurs, des joueurs, tout est ici. Donc, c'est le bouton Messenger qui est juste là. Handbook, c'est un peu le Pokédex de Escape from Tarkov. C'est là qui est répertorié tous les objets du jeu que vous avez découvert, que vous avez pas encore découvert. Donc c'est très 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 bien développé. Et donc vous choisissez, envoyez, et puis vous avez tout le descriptif. C'est extrêmement bien fait. C'est vraiment très pointilleux. Vous pouvez l'ajouter, vous voyez. Après, ça on verra plus tard, mais vous pouvez le mettre dans votre whitelist, dans vos favoris. Donc ça, il n'y a aucun souci. Alors, du coup, ensuite, donc là le bouton exit hein, pour quitter le jeu, hein, ça c'est pas très... Trading, donc là vous avez des vendeurs, actuellement vous en avez 7. Donc vous allez devoir côtoyer ces vendeurs-là pendant tout le jeu, quasiment. Donc pour ce que ce soit d'acheter du stuff, vendre du stuff. Faire du trading avec des objets que vous trouverez. En fait, si vous trouvez par exemple 5 Rolex, vous pouvez avoir une armure. C'est un exemple hein, que je donne au hasard. Donc, on va prendre un vendeur au hasard. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici que les vendeurs sont de niveau 1 à Royal. Donc, ça fait 1, 2, 3, Royal. Hein, c'est pas Soleil. Pardon, humour de merde du matin. Alors, du coup, vous voyez, là, si je le mets niveau 1. Vous avez du contenu, niveau 2, d'autres contenus, et en fait, et plus vous avancez, plus c'est rare. Comment on fait pour augmenter ces niveaux de loyauté? Il s'agit tout simplement de faire des quêtes, et vous voyez ici de gagner un peu des sortes de trust leveling. C'est une sorte de confiance en fait que le vendeur va vous donner. Et vous devez aussi dépenser, vendre ou acheter en fait un minimum de roubles, d'argent pour débloquer tout ça. Donc là où le wipe, le jeu a été wipe, oui parce qu'en fait à chaque grosse mise à jour le jeu est wipe. Wipe ça veut dire que tout est effacé, tout est lavé de votre compte et vous recommencez tout à zéro. Généralement c'est entre 3 et 5 mois, sauf que bien sûr quand il sera en mode final normalement il n'y aura plus rien. Donc là ça a été fait il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines. Donc je suis à niveau 3, niveau 30 et vous voyez chez lui j'ai déjà dépensé 3,6 millions, non, 2, oui. 3,6 millions et pour le level royal, il faut être niveau 33, il faut être à 0,50 de prestige, donc je suis à 1 CAC, donc c'est bien, et il faut dépenser 2 et 3, donc en fait il reste plus qu'à avoir le niveau 3. Voilà. Et là je débloquerai donc le. Donc pour tous les vendeurs c'est pareil, hein, vous voyez, donc chacun a sa spécialité, donc vous voyez, elle c'est plus tout ce qui est médecine, utile en fait, tout ce qui est des médicaments, de l'eau, tout ça. Lui c'est le marché noir, c'est un peu de. C'est un peu tout en vadrouille, c'est pas un vendeur très très sérieux celui-là. Donc vous voyez, regardez. Ça c'est quand on déconne pas les objets, on fait clic droit, et on les découvre, en fait ça nous fait gagner de l'expérience pour gagner des niveaux. Voilà. Donc au début, bien sûr, quand il y a un wipe, on connaît aucun objet et du coup il y a beaucoup d'expérience à gagner. Et donc voilà, donc chaque vendeur a sa spécialité. Ensuite, on va passer au flea market. Donc là, le flea market, ça a été mis il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été mis en novembre dernier, novembre 2018. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'un marché noir, un marché de joueurs. C'est les joueurs qui mettent leur propre stuff avec les prix qu'ils veulent en fait. Et ils peuvent demander des trading en échange. Donc, je prends par exemple, je sais pas, cette arme-là, la MDR, qui est une nouvelle arme qui a été incorporée il y a 3 semaines. Donc vous voyez, donc.
Ça reviendra plus tard. Donc le mec demande 260 000 roubles. Moi je sais que ça n'en vaut pas 260, elle est trois fois trop chère. Donc voilà. Vous pouvez donc vendre jusqu'à 3 objets au début. Donc pareil, plus vous vendez, plus vous gagnez des points de réputation. Et plus vous gagnez des points de réputation, plus vous pouvez mettre d'offres sur le jeu. Donc moi, vous voyez, par exemple, je vais. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? N'importe quoi. Allez. Un truc débile. Du genre. Ça. Bah, je vais le vendre, allez, juste pour montrer l'exemple, à 1500 roubles. Allez, 1000 roubles. Faut bien le vendre. Vous voyez, 1000 roubles, on paye 179 de taxes. Et si on veut qu'il soit vu en priorité, en fait, sur les offres, là, il est en jaune, vous voyez, c'est ici. Bah, vous payez en plus. Tac. Ouais, 1000 de plus. Donc, vous placez votre offre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une demande d'échange d'objets. Ça, c'est bien pour trader entre potes, vous savez. Ou de l'argent. Voilà. Donc moi je fais ça, tac. Là il me dit que le prix n'est pas adapté, il est vraiment très bas. Et après vous voyez, dans 55 secondes il sera vu, enfin il est déjà vu pour tout le monde, mais dans 50 secondes il pourra être acheté par n'importe qui. Et après vous recevrez une petite notification qui est ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les vendeurs. Et après vous recevrez votre argent, etc. C'est à vous de cliquer sur les boutons, c'est très simple. Voilà. Donc ça c'est fait, Flea Market, ça c'est pas encore sorti. Donc là c'est vraiment voilà. Si je pars trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en plus lent, il n'y a pas de souci. Donc trading, tout ça c'est fait. Caractère. Donc caractère, c'est-à-dire personnage. Vous avez plusieurs onglets. Vous allez voir. Ça c'est les statistiques globales. Vous pouvez voir un peu tout ce que vous avez fait. Donc 465 heures. Je pense que ça c'est depuis je sais pas combien de temps qu'ils ont calculé ça. Mais j'en suis à beaucoup, à au moins 6 fois plus depuis que le jeu est sorti il y a 2 ans et demi. Donc là depuis Wipe j'ai fait 144 raids, j'ai couru, j'ai fait des raid rush 8 fois. Mon stage coûte 6 millions 7. Vous voyez là j'ai vendu. J'ai reçu un petit message, j'ai vendu. Ça bug un peu, hein. Receive all. 1000 roubles. Tac, dans mon stage. Ça le stage on verra, hein, tout à l'heure. Donc voilà, là vous avez un peu tout ce que vous avez fait. Donc le nombre de joueurs que vous avez tués entre le niveau 31 et 50, machin. Donc, il y a un peu de tout, là c'est votre personnage, donc, pour l'instant il est pas très... on peut pas le customiser pour l'instant. Peut-être plus tard, je sais pas. C'est pas très pas prévu je crois. Donc là. Attends, voilà. Tac. Donc là on arrive sur le personnage. Donc là, à gauche. C'est sur quoi vous allez partir en raid quand vous allez commencer à lancer le jeu. Donc, là pour l'instant je suis naked. Ça, c'est le Gamma Container. C'est une boîte en fait. Quoi que vous mettez dedans, si vous mourrez, vous ne perdez rien. C'est ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est que si vous mourrez avec ce que vous avez ici, vous mourrez et vous perdez tout. On verra après pour les petits détails. Et ça, c'est la boîte où vous perdez rien. Donc moi je mets tous mes médicaments dedans. D'ailleurs ça j'enlève, je sais pas ce que ça fout là, ça sert plus à rien. Et ça en fait, je laisse cette grosse boîte parce que j'ai la grosse version du jeu. Vous, si vous avez la petite version du jeu, vous allez avoir que 4 slots. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, hein. Mais bon c'est pas très fou. C'est pas mal, mais voilà. À droite, mon inventaire global. Donc vous pouvez voir qu'en liquide j'ai 935 000 roubles, ce qui est pas énorme, mais bon c'est pas mal, on peut se débrouiller. 900 $ et 76 €. 900 $, ça équivaut à peu près à 90 000 roubles. Donc moi, je suis un joueur, donc j'ai vraiment ma façon à moi de jouer. Donc en fait, vous pourrez avoir d'autres streamers qui jouent avec des boîtes en fait, qui rangent tout. Désolé, on est samedi matin. Donc moi, j'aime bien tout exposer en fait, je stocke pas. J'aime bien tout voir, pour l'instant. Donc, vous pouvez voir que j'ai mon argent, mais je mets mes medics là, mes chargeurs ici. Je stocke mes armes ici. Donc c'est pas des armes de fou, hein. J'en ai juste une là qui est vraiment bien. Deux qui n'aiment quatre et encore. Là, je mets les mêmes équipements. Vous voyez, là, si vous voulez vous éclaircir, tac, une petite armure. Ça, c'est les sacs. Et voilà, quoi. En gros, vous mettez votre arme. Après, vous mettez votre gilet, les chargeurs. Et voilà. Grosso merdo, c'est comme ça que ça se passe. Et après, bien sûr, c'est à vous de personnaliser, mais ça, on pourra rentrer dans le détail beaucoup plus tard. Mais en gros, vous vous équipez. Et après, voilà. Mais ça pour l'instant, on va pas s'attarder là-dessus. On a tellement de choses à dire pour bien commencer que on va ranger. Parce que moi j'aime bien que ce soit bien rangé, non, mais que ce soit rangé tout court. Tac, tac. Donc,
Escape from Tarkov, pourquoi c'est un jeu qui est super et très original? D'une part, c'est parce que déjà c'est de la simulation pure et dure, malgré beaucoup de bugs. Et d'autre part, parce que y a une possibilité de modding des armes qui est vraiment exceptionnelle. J'ai pas d'exemple direct, mais en fait, vous avez, je sais pas si tu peux voir dans les vendeurs, vous avez énormément de modes. De mode comment dire, disponible pour personnaliser votre arme. Donc en fait, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un site que je vous mettrai aussi dans le lien de description. C'est un site en fait qui vous aide à modder une arme. Donc, là, ça s'appelle eftdb.one. Donc c'est un site. Voilà, vous prenez une arme au hasard. Allez, Ersas. Et vous allez choisir toutes les catégories que vous pouvez mettre. Donc là, on va mettre au hasard, c'est vraiment pour vous montrer un exemple rapide. Donc après, il y a plein de caractéristiques à prendre en compte, hein, comme le recul en moins, l'ergonomie. Vous voyez, tac, et tout s'adapte. Hein. Ouais, je mets vraiment au hasard. Hein. Le viseur, handguard, tac, un autre viseur, c'est n'importe quoi ce que je fais, mais c'est vraiment pour vous montrer, hein, quelque chose. La poignée, vous pouvez mettre des lasers. Vous pouvez mettre des petits rails pour rajouter encore d'autres lasers, voilà, des lumières, des lasers. Et vous pouvez encore en mettre, vous pouvez en mettre. Tactical mode, encore pareil, encore un laser. Et une fois que vous avez fini votre shopping, donc là c'est un site internet, hein, vous allez voir un peu tout le descriptif en fait, le prix. Donc des fois c'est un peu erroné, faites attention. Et là vous allez voir tous les vendeurs. Donc c'est pas parce que vous avez le niveau, que vous n'avez pas le niveau vendeur, vous pouvez pas acheter sur le flea market, vous le rachetez au black à quelqu'un. Ça, vous pouvez très bien le faire. Alors, donc voilà. Donc après, vous retournez sur le site, vous achetez, et voilà. Donc, ça c'est juste pour vous aider à trouver les bons modes en fait. Moi je l'utilise tout le temps, ça fait 2 ans et demi que je joue. Je dois avoir dépassé les 1500-2000 heures de jeu sur Escape from Tarkov. Je suis un très grand fan, j'adore ce jeu. Et j'utilise toujours ce site parce que j'ai vraiment du mal. Après, ça dépend des gens, bien sûr. Donc, pour modder, vous avez acheté votre stuff, admettons. Pour modder, c'est simple, vous faites un clic droit et vous faites modding. Donc là, vous allez avoir une vue globale. Donc, bien sûr, vous pouvez désactiver toutes les parties, hein, pour voir, pour faire des beaux screenshots de vos succès. Tac, tac, tac. Vous voyez, donc il y a énormément de cases. Toutes les cases, c'est tout ce que vous pouvez modder. Vous pouvez la démonter, regardez, je vais enlever la crosse, je vais enlever l'arme entière, et il reste plus que ça. Ça ressemble à rien, mais voilà. Donc après, bien sûr, vous ajoutez, regardez-moi par exemple cette poignée. La poignée, je l'ai enlevée, vous voyez. Et vous pouvez la remettre. Le bout du pistolet, du flingue, tac, vous l'enlevez. Vous la remettez, le chargeur, vous l'enlevez, vous avez d'autres chargeurs. Vous voyez. Il y a plein de choses à faire, c'est très. Moi j'ai rien acheté encore parce que j'ai tout transféré sur une autre arme que j'ai perdue. Mais voilà, il y a tellement de choses à faire. Je vais remettre la. Elle est où là? Voilà. Tac, la coudée. C'est modding, modding à 100%. C'est vraiment très bien fait. Donc après. Donc là pour l'instant, après il y a plein de détails. Hein. Il y a l'inspection. Donc là vous pouvez voir les caractéristiques de votre arme. Vous voyez, l'ergonomie, le recoil, en fait, le recul, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Vous pouvez enlever les morceaux ici et les remettre. Vous voyez, mettre une balle dans le barillet, comme ça elle est prête à tirer. Vous pouvez réparer votre arme. Donc ça, franchement, c'est rare qu'on répare les armes parce que généralement une arme, ça tient pas à 50 000 raids. Vous la perdez facilement, très vite, hein, généralement. Sauf si vous êtes vraiment très gros PGM, et encore même les PGM on ne garde pas une arme plus de 20 raids, admettons. Donc là, reload, unload, donc c'est-à-dire que vous pouvez recharger. Donc là, normalement, j'ai pas de place, mais regardez, je me suis à ça. Unload, ça c'est pour décharger les chargeurs, machin. Reload. Et tout ça là, c'est filter by item, c'est pour retrouver la même arme sur le flea market. Vous voyez? Donc, vous voyez, selon l'habillement en fait, c'est la même arme, hein, mais c'est l'habillement qui est différent. Link Search, donc là ça va être tous les objets qui vont être liés avec cette arme là en fait directement. Donc là vous pouvez retrouver sur Flea Market. Alors, pareil, là il n'y a pas tout, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais voilà. Mais admettons, vous achetez une monture pour mettre un viseur, voilà, vous achetez la monture. Et ensuite, avec la monture achetée, tac. Avec la monture achetée,
voyez, vous refaites pareil, Link Search. Et là, vous pouvez avoir les viseurs qui vont avec. Donc, moi, je vais voir si j'en trouve un. Admettons, hein. C'est que des échanges. Putain, celui-là, je l'ai pas. Encore. À 12 000, vous voyez. Tac. Modding. Je vais mettre. Je sais pas ce que. Voilà. Donc là, je mets. Ah oui, bon, c'est pas compatible. Ça, c'est magnifique. C'est pas compatible du tout. Je sais pas si je peux faire ça avec une autre arme. On va voir. C'est suspense à chaque fois. Ouais, voilà, ben j'ai mis. Je vais mettre le viseur directement. Vous voyez, j'ai mis le viseur directement sans le rail. Ça dépend de toutes les armes. Parce que là, je crois qu'il y avait déjà un rail. Ouais, il y avait déjà un rail. Un TT-1000. Ouais. Il y a déjà un rail. Tac. Vous voyez, le viseur s'est mis automatiquement. Donc voilà. Donc une recherche c'est fait pour donc, faire des recherches sur le truc. Et là je crois que c'est au niveau des trading. Si vous pouvez avoir cette arme là avec par exemple 4 paquets de cigarettes Winston. Qui sont des paquets qui sont des cigarettes qui sont un peu rares. Et vous voyez, regardez. On va faire un... Je crois que les cigarettes Winston en plus elles ont baissé en prix. C'est-à-dire, on va en acheter 3. On va en acheter une. Si on fait ça. Tac. Ah non, c'est pour avoir des paquets Winston, autant pour moi. Donc là en fait si vous donnez une main vous avez des paquets de munitions, donc c'est pas du tout rentable, pas du tout pour un seul sou, tu vois. C'est bon, tant pour moi. Donc voilà, donc là vous avez vu à peu près généralement tout le stage, comment ça se passe. Bien sûr, généralement les armures vous devez les réparer. Regardez, voir si j'ai pas une armure un peu pétée. Celle-là. Vous voyez celle-là, elle est un petit peu, je vais faire réparer. Voilà. Faites attention quand ça arrive vers le bout, si c'est pas trop usé que vous pouvez réparer, faites le pas parce qu'en fait ça va plus vous l'user. C'est une sorte de bug dans le jeu. Vous voyez ça, pareil. Voilà, j'ai réparé, ça coûte de l'argent. J'ai réparé. Alors, la santé. Donc ça, durant le jeu en fait vous allez avoir la soif qui descend plutôt doucement. Mais par contre si vous perdez votre estomac, vous voyez, et ben votre soif va descendre très vite. Et si vous arrivez à zéro, au bout de quelques instants vous allez mourir. C'est très rapide, ça a été amélioré ce point-là en fait. Donc faites très attention. Ensuite, si vous perdez les jambes, donc en fait, vous pouvez avoir. Donc là, c'est un point très important. Je vais bailler, attention. Voilà, je vous mets au défi de pas bailler. Mettez-le moi dans les commentaires. Donc en fait, les jambes, vous pouvez avoir fracture, vous pouvez avoir hémorragie. Donc ça sera dans une autre vidéo pour chaque objet. Donc là, moi, mon but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer étape par étape. Donc, une hémorragie, il va falloir couper cette hémorragie. Donc là, vous avez des... par exemple, c'est Zifac. Donc je vous le dis, hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais par exemple, là, vous allez avoir une goutte de sang en fait qui va apparaître. Vous allez vous devoir en jeu le prendre et le mettre là. Après, il y aura une animation, le joueur va se soigner. Ou alors mettre dans votre poche. En fait, tout ce que vous mettez dans votre gilet... ou poche, vous pouvez le mettre en raccourci. Vous voyez, j'ai mis 4, ça apparaît en bas. Vous l'utilisez, il va arrêter l'hémorragie. Une fracture, il vous faut des sortes de bandages, en fait, des trucs splint. Donc, pareil, fracture, vous faites ça, il vous enlève la fracture. Par contre, si votre, par exemple, votre jambe est à zéro, que vous avez la fracture et une hémorragie, vous pouvez avoir les trois en même temps. Donc déjà, vous arrêtez l'hémorragie, parce que le sang arrêtera de couler, donc les autres parties du corps ne seront pas endommagées. Vous allez devoir... réparer votre fracture, mais par contre votre jambe est morte, ça veut dire que vous pourrez plus courir, c'est fichu. Depuis la dernière mise à jour, avant vous pouvez courir par tranche de 2 secondes en fait, vous courez 2-3 secondes, vous arrêtez, vous recommencez, vous perdez pas de dommages, pas trop. Là c'est fini, vous pourrez plus. Donc par contre il vous faut prendre des médicaments pour continuer à marcher à un rythme classique, à un rythme modéré. Si vous prenez pas de médicaments, vous allez boiter comme un boiteux. Donc voilà, donc c'est assez complexe en fait. Hein. Donc et chaque médicament est bien spécifique pour chaque blessure. Donc c'est pour ça que vous voyez que là, moi je pars avec ça. Ça par exemple les IFAC. Sur d'autres vidéos, j'expliquerai plus en détail chaque objet. Hein. Vous en faites pas, je compte vraiment faire tous les objets en détail. IFAC c'est pour les hémorragies et se soigner. Ça c'est pour arrêter les fractures. Et ça c'est pour la vaseline, c'est pour l'effet de médicaments pour pouvoir remarcher normalement. Donc voilà. Donc si l'estomac est à zéro, pareil, vous ne pouvez plus le récupérer et votre boisson va descendre. Donc là, vous avez 435 de vie. Donc là, il n'y a plus pas grand chose à dire. Bras gauche, bras droit, si jamais vous perdez bras gauche, bras droit, bah, votre visée va être beaucoup plus mauvaise.
Et si vous avez des dommages à la tête, vous allez voir un peu flou, des taches de sang sur votre écran et tout, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ça, rapidement. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur les commentaires. Vous avez même le Discord de mon association, vous avez tout. Franchement, je vous réponds en plus, à chaque fois, je réponds dans les minutes qui viennent. Il n'y a aucun souci. Ensuite. Skills, donc les compétences en français. Donc là, plus vous allez jouer, plus vous allez développer de compétences. Donc il y en a qui sont pas encore opérationnels. Et en fait, il y a des quêtes où ils vont vous demander d'avoir un niveau minimum pour en fait continuer dans le jeu, continuer dans les quêtes. Et en fait, plus vous allez monter vos compétences, plus vous allez être compétent, forcément. Je prends le principal, l'endurance. Vous voyez? L'ancien wipe, j'étais niveau 35 en endurance, 34, je sais plus, donc en fait mon personnage s'essoufflait beaucoup moins vite, courait plus longtemps. Stress, résistance, après ça, il n'y a pas vraiment il y a des petits impacts, mais ça se ressent pas de fou, tu vois. Pistolet, plus vous tirez, plus les grenades, les snipers, machin, plus en fait il va recharger vite, il va remettre les balles, parce que bien sûr, quand vous tirez dans le jeu, vous remettez les balles une par une en jeu. Dans les chargeurs, il faut en prendre sur soi, tout ça, c'est très, très 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 stratégique. Médecin, il va vous soigner plus vite, etc. Moins de déshydratation. Donc en fait, plus vous allez faire des actions dans le jeu, plus ça va monter tout seul. Hein. Ne vous en faites pas, il n'y a pas vraiment d'action à faire, ça se fait tout seul. Voilà. Sur ça, le mastering, c'est pareil, ça c'est plus par rapport à vos compétences avec les armes. Ça n'a pas vraiment d'impact encore pour l'instant, c'est plus personnel qu'autre chose. Moi je m'en fiche un peu, j'ai jamais cliqué là-dessus d'ailleurs, c'est pas un truc de. Mais bon, ça fait partie des détails du jeu et ça peut intéresser certaines personnes. Donc voilà, donc là vous avez vu, il y a le leveling, donc il y a un taux d'expérience à avoir pour augmenter des niveaux. Généralement les 15 premiers niveaux c'est assez rapide et après à partir du niveau 15 ou 18, ça commence à devenir un peu plus lent. Donc voilà. Vous voyez que moi je suis à la moitié, là je vais arriver au niveau 31 bientôt. Alors, en général, une quête. Ça vous donne entre 5 000 d'expérience et 20 000, ça dépend. Donc vous voyez, ça peut monter assez vite. Hein. J'ai cumulé 824 000 points d'expérience. Map. Donc là, pas vraiment d'intérêt pour l'instant à avoir des maps. C'est les maps que vous pouvez trouver en objet, en fait. Chez Thérapiste, donc le vendeur médecin que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous les vend. Vous pouvez les trouver aussi sur des scavs. En fait, si vous voulez, vous pouvez personnaliser vos propres cartes, faire des petits traits, tout ça, indiquer des choses. C'est pas très utilisé. Enfin, moi personnellement non. S'il y en a d'autres qui le font, c'est bien. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à jouer à Escape from Tarkov, c'est que j'avais imprimé les maps. Vous pouvez les trouver sur internet, vous les imprimez. Parce qu'en fait le jeu, on n'en est pas encore venu là, mais le jeu en fait, vous allez rentrer dans la map et vous allez devoir faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire, et vous devez vous échapper. Mais vous pouvez pas vous échapper n'importe où, n'importe quand. Avec certains, il y a des extractions en fait, et c'est très compliqué au début de connaître par cœur les extractions, vraiment très compliqué. Sur les maps, je crois pas que ça soit affiché, je suis pas sûr. C'est à vous de le faire vous-même, mais sur internet, il y a déjà des mecs qui ont fait des maps avec tous les descriptifs, tout ça, et c'est super intéressant. Je les avais mis sur le mur, je m'en souviens, et je regardais à chaque fois. Donc voilà, j'ai eu un petit conseil que je fais pour vous pour commencer. Donc là, task, donc là, c'est les quêtes. Donc là, pareil, bon, c'est les quêtes. Je vous demande de faire des choses. Par exemple, vous voyez là celui-là de trouver. C'est des petits trucs informatiques à trouver sur les maps. Il faut les trouver, les rendre au vendeur. Il en faut 5. Après, vous cliquez sur valider. Et voilà. Donc attention, si vous devez trouver des objets de quête. Comme je sais plus quel. Je sais plus quel. Peut-être celui-ci, je crois. Si vous voulez la faire en plusieurs parties, la quête, vous devez. Ou sur plusieurs maps. Surtout, il faut bien. Que vous voyez là, quête item inventory. Si vous arrivez à vous extraire, vous avez la moitié de vos objets, faut les mettre en quête item special stash off rail. Parce que si vous repartez sur une autre map avec vos items là-dessus et que vous mourrez, vous perdez tout, vous devez tout recommencer. Donc surtout n'hésitez pas à les déplacer, c'est très très important. D'accord? Donc voilà les quêtes. Je crois qu'il y en a 141 ou 131 quêtes actuellement. Donc c'est très long, elles sont très chiantes, les quêtes sont très très répétitives aussi. Après c'est au bon de vous voir, hein. Plus vous faites de quêtes, plus votre niveau avec les vendeurs augmente. Voilà. Mais une fois que vous êtes au Royaume Royal, si vous voulez pas vous prendre la tête avec les quêtes,
Vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est vraiment pas obligatoire, pas du tout. Mais voilà, ça met un peu de piment et un peu de but dans le jeu, en fait. De faire des quêtes, mais elles sont très chiantes, hein, des fois. C'est vraiment très casse-couille. Mais voilà, quoi. Donc, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Maintenant, on va cliquer sur Escape from Tarkov. Donc là, c'est le bouton que vous devez cliquer pour lancer une partie. Tac. Alors, Escape from Tarkov, c'est trois groupes. Enfin, un peu plus que ça. C'est plus complexe que ça. PMC, c'est votre personnage à vous. Donc, il va y avoir les PMC, c'est les joueurs. Il va y avoir les USAC, les Américains, et les BIR, les Russes. Donc, au début, quand vous allez acheter le jeu, vous allez devoir choisir. Moi, personnellement, je suis USAC. J'aime bien. Pourtant, je suis plutôt pro-russe, mais bon, les USAC, ça fait stylé. Et puis, j'aime bien leur t-shirt noir. Bon, bref. Vous allez jouer sur des maps. Sur ces maps-là, vous allez trouver donc des joueurs, USAC et BIR. Tout confondu, attention, si vous voyez un ennemi, tuez-le, quoi qu'il arrive. Que ce soit USAC ou BIR, tuez-le. Et vous allez tomber aussi sur des scavs. Les scavs sont des civils en fait qui sont restés vivre à Tarkov après le conflit interne et qui se rebellent en fait. Toi, vous voyez, c'est des gitans. Ils sont habillés comme des gitans, ils sont très mal habillés, ils ont des armes soit généralement pourries. Donc vous allez tomber sur des joueurs. Des scavs qui sont contrôlés par des bots. Une fois toutes les 10 minutes, vous avez le droit de jouer vous-même un scav. En fait, le scav, ça vous engage à rien du tout. Le stuff est fourni par le jeu. Donc, si vous mourrez, bah, c'est pas grave. Et voilà. Donc, joueur, scav, bot, scav, joueur. Vous pouvez trouver aussi des fois sur certaines maps, ça on en parlera plus tard sur d'autres vidéos, des scav boss. Ça veut dire que c'est un boss entouré de gardes du corps qui sont un peu plus armés, qui tirent très bien. Et donc là, ça s'appelle des scav boss. Et sur une seule map spécifique, vous avez des scav riders. Les scav riders, c'est une troupe d'élite en fait qui sont très bien équipées, qui visent très bien. Et donc voilà. Donc généralement sur une map, je prends la map custom, ça vous dit rien, parce que si vous venez de commencer le jeu, custom, ça vous dit rien. Je crois que ça peut monter jusqu'à 16 joueurs ou 13, je sais plus. Les scavs, vous pourrez en avoir par vague de 10-15. Mais si tout est éparpillé, la map est assez grande. Attention, si vous ne voyez pas d'action pendant 10-15 minutes, c'est normal. Si seulement ça met plus de peps et plus de friction dans le jeu, et sur ça mieux. Donc, vous trouvez des scavs joueurs, des joueurs, scavs boss, une fois sur trois selon les maps. Donc, c'est assez animé. Donc, voilà. Là, j'ai fait gros merdeau, j'ai dit des choses. Donc toutes les 10 minutes vous jouez un scav, ça permet de vous renflouer un peu quand vous commencez le jeu en fait. Et je vous conseille de le faire quand vous commencez le jeu parce que bon, il n'y a pas énormément de trucs. Donc bien sûr les scavs doivent s'extraire aussi. Tac. Donc là vous avez toutes les maps disponibles. Donc vous voyez, il y en a qui sont encore bloquées. Donc celle-là, ça elle est disponible mais pas en tant scav. Donc moi j'aime bien faire Factory. Factory c'est la plus petite map du jeu. Moi j'aime bien faire ça sur Factory. Donc là, Factory, c'est des heures fixes. Si vous allez sur d'autres maps, vous voyez, il peut y avoir la nuit et le jour. C'est à vous de choisir. Ça vous ressemble. Vous avez des night vision, tout ça. Enfin bref, ça après on en reparlera. Et moi, je vais vous montrer un peu. Tac, vous voyez, donc là c'est le lobby. Donc là, j'ai cliqué. Là, en fait, c'est ça. On verra tout à l'heure quand on lancera un PMC. Donc là, j'ai cliqué là. Là, c'est le lobby. Vous pouvez rejoindre jusqu'à 5 personnes maximum. Donc là, je vais lancer tout seul. Tac. Donc là on va lancer vite fait une partie et je vais vous montrer un peu, donc ça se trouve je vais mourir en quelques secondes hein. Je vais vous montrer un peu le jeu. Bon, généralement je pense que vous avez vu d'autres vidéos déjà. Donc pour les premiers chargements de la map, quand vous allez lancer le jeu, le tout premier game de votre journée, ça mettra un peu de temps en fait à charger. Et après quand vous relancerez, il n'y a pas de souci, ça ira plus vite. Mais je vous conseille de mettre le jeu sur un SSD. C'est beaucoup mieux. Donc là il met en matching, c'est-à-dire qu'en fait il trouve pas de joueur. Ça peut mettre du temps en fait. Si vous voyez que ça dépasse les 2 minutes, je vous conseille de faire back et de recommencer ou de changer de map ou changer tout ça. Moi je joue sur des serveurs différents donc du coup ça met un peu plus de temps à trouver. On va attendre encore un petit peu. Donc là vous voyez à gauche c'est mon scav. Vous voyez que là c'est un Tosk qu'il a dans les mains. C'est une arme qui est pas super, c'est même une arme de merde. Et il y a un viseur dessus, donc là à la limite c'est intéressant de s'extraire parce qu'il a un viseur donc ça peut se revendre bien. Et dans les poches il peut y avoir des items rares
comme des clés The Lab. The Lab, c'est la map où je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a l'esclave Raider, l'esclave qui sont bons et bien stuffés. Et en fait, cette map-là, depuis la dernière mise à jour, il faut avoir une carte d'accès pour y accéder. Une carte magnétique qu'on peut acheter chez Therapist qui coûte 115 000 roubles. Vous pouvez acheter sur le flea market qui coûte à peu près 140 000 roubles en moyenne. Et des fois, ces esclaves-là, ils en ont dans les poches. Donc, c'est des objets rares, très intéressants. On va voir ce que ça donne. Ici, il me trouve personne, tant pis, je vais essayer de faire, je vais faire la même map mais en PMC. Après, je vais vous montrer d'autres trucs. J'attends 2 minutes. Et bien sûr, quand vous spawnez en scav sur une map et vous voyez deux scavs, au début, ils vont pas vous attaquer. Sauf les joueurs sont assez hargneux. Ah, il a trouvé, c'est super. Mais si vous tuez un scav, par contre, après, tous les scavs derrière vont vous traquer et ils vont essayer de vous tuer aussi. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez, mais vu qu'on sait pas qui est joueur scav ou pas. Vous voyez là, j'ai spawné avec, comme je dis, dans le pourri. J'ai ma veste avec mes chargeurs. Chaque arme a sa propre chargeur. Une boisson et des bandages. Des bandages pour arrêter l'hémorragie. Voilà. Alt T, c'est pour regarder le problème que vous avez. Moi, je vais aller au cac, hein. Je vais aller au corps à corps. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Je vais mourir de toute façon. Faut jouer au son. Alt clic droit, c'est pour changer le viseur. On verra plus tard les raccourcis. Je crois une vidéo dédiée aux raccourcis de toute façon. Je crois qu'ils sont morts. Je me suis fait éclater, donc j'avais vraiment une arme de merde. Et je sais pas si je l'ai tué. On va regarder ça tout de suite. Donc à gauche, vous avez la personne qui m'a tué. Donc généralement, quand c'est des scavs, vous avez des noms aléatoires russes. Donc là, vous voyez, il m'a tué dans le thorax. Et j'ai tué le scav tout à l'heure. Vous voyez, je l'ai tué à la 48e seconde. J'ai tiré 6 balles. Je l'ai touché 3 fois. Non, j'ai tiré 3 fois. Donc là, c'est des balles de fusil à pompe. Donc ça disparaît. Donc je pense que je l'ai touché plein de fois. Et j'enlève tout ça, donc là c'est le récapitulatif de votre game, vous voyez j'ai couru 137 mètres, je suis mort tout de suite. Je me suis pris une balle dans la tête alors que j'ai marqué le thorax, c'est pas encore très perfectionné tout ça. Et je vais vous montrer maintenant une dernière chose, avant que je vous laisse sur ces dires. Donc là, vous voyez c'est quoi ça? Non ça bug, c'est rien. Donc là vous voyez, on va faire un truc. On va faire une petite game et on va s'arrêter là après. Je pense que j'ai fait à peu près le tour en général. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc là, vous voyez, j'ai extrait les balles là. Je fais clic droit, filtre by item pour acheter les mêmes. Et j'en ai acheté toute une panoplie. 90, voilà. Tac, tac, tac. Tac. Alors, attends, download. Tac, tac, voilà. Donc, maintenant on va faire un PMC sur la même map. PMC, factory hors de gauche. Donc là, c'est si vous avez la map, tout ça, ça vous met les repères, ça vous met un peu sous ce que vous, les dessins que vous avez fait. Donc là, vous avez la possibilité de jouer en offline tout seul pour tester un peu. Vous pouvez activer l'environnement, donc c'est-à-dire les bots. Vous pouvez choisir le nombre qui sont, la difficulté, etc. Donc ça, c'est bien pour vous entraîner. Et bien sûr, si vous mourrez, vous ne perdez pas votre staff là. Par contre, c'est vraiment pour vous entraîner en offline, c'est vraiment cool. C'est pas mal. Next. Voilà. Donc là, c'est la page assurance. Donc vous voyez, là je vais assurer. Donc ça, c'est déjà assuré. Je choisis mes assurances. Je choisis mon assureur. Plus ou moins cher en fait. Elle, ça coûte plus cher, mais vous allez recevoir plus tôt. Si vous mourrez. Si jamais vous mourrez et que personne ramasse votre stuff, votre arme reviendra dans votre inventaire au bout de 24 heures ou 48 heures. Thérapie, c'est 24 heures, c'est beaucoup plus rapide, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, j'assure. Voilà, là j'ai assuré. C'est tout ce que j'ai assuré chez eux actuellement. Donc voilà. Donc là, j'ai assuré. Sur la map The Lab, laboratoire, n'assurez pas vos objets. Les assureurs ne vont pas là-bas car c'est une zone trop dangereuse. Ben, je préfère vous dire, ça on verra plus tard. Donc du coup, pareil,
Lobby, oui, il y a trois personnes. Moi, je joue tout seul, donc je n'invite personne, vous pouvez juste inviter. Et je lance. Et voilà. Donc là, par contre, là, je vais être en PMC, donc là, je tue tout le monde. Enfin, tout à l'heure, de toute façon, je pourrais tuer tout le monde. Comment dire? Sur sa map Factory, par exemple, il y a 6 joueurs maximum. Donc, c'est très petit, c'est très stressant. Là, j'y vais en mode YOLO juste pour vous montrer et pour terminer sur cette vidéo, sur ces images. Surtout, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Là, je vais vraiment faire une série très très longue, mais sur des vidéos beaucoup plus courtes. Hein. C'était vraiment pour vous montrer le jeu rapidement. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, très important. Au maximum, c'est pas pour faire durer la vidéo. Vous voyez, vous pouvez, ça on verra plus tard, mais vous pouvez réduire votre vitesse. Là, oui, c'est là où j'ai spawn tout à l'heure. On va se donner au casse-pipe. Et là j'ai tué un full stuff. Full stuff, c'est-à-dire qu'il était vachement bien armé. Oh, full stuff. Correct, correctement armé, on va dire. Et le but maintenant, après moi je suis comblé personnellement, j'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de moins. Il faut faire vite parce qu'en fait quand vous lootez vous savez pas ce qui se passe. C'est pas au courant. Du truc, c'est pourri. Je m'extraire, pas de gourmandise. Je vais m'extraire. Attention aux chutes pour les capots pour pas se casser les jambes. Et là, moi je connais les extractions par cœur. Hop là, faut coller ici. Gate 3, ça s'appelle. Un petit compteur. Et voilà, c'était juste un petit PVP rapidement pour vous montrer le jeu à la fin. Donc surtout, je vous conseille d'acheter ce jeu si vraiment vous hésitez. Il est vraiment super, il est en bêta depuis 2 ans et demi, c'est vrai. Il y a beaucoup de bugs, mais les développeurs sont à fond dessus. Au niveau des cheaters, il y en a. Il y a des cheaters.
Mais bon, ils sont bannis constamment. Mais franchement, là, vous voyez, là, j'ai tué deux joueurs. J'ai tué deux joueurs. D'accord, j'ai tué deux joueurs. Ah oui, mais la première fois, j'ai dû tuer deux joueurs. Donc, ok, niveau 30. Donc là, l'expérience qui se vient, je vous l'ai montré. Et voilà. Donc, je vous laisse encore, je vous le répète encore, je vous laisse vous abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est très très important de partager tout ça. Le jeu est super. Je suis un très très grand fan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. J'ai un Discord de l'association Balocu, une association de joueurs en ligne qui existe depuis 1996. Donc, n'hésitez pas, on est ouvert d'esprit, on peut répondre à toutes vos questions. On a un groupe de joueurs, c'est super. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, très prochainement, qui va expliquer. Ce soir, je suis parti sur une série de plusieurs vidéos qui sont descriptives. Voilà. Je vous dis à une prochaine. Ciao, Banza!